Et nous voici direct en 18ème épisode de Pokémon version éclat pourpre. J'enchaîne après avoir explosé l'arène de Kali. Et notre équipe du jour sera Wanner, qui va recevoir rapidement sa pièce rune. Niveau 21, échangé. Wigiloté niveau 21, 41 aussi. Wanner niveau 41, je forge pas sur les niveaux non plus. Qualuné niveau 40, Silmama niveau 40 et Tinkarassé niveau 40. Notre Léviator qui a explosé l'arène, la piscine municipale, est rentré bien sagement en PC. Et si je prends que 5 Pokémon, il y a une raison. Vous comprendrez pourquoi dans l'épisode 19. Mais en attendant, dirigeons-nous vers un bateau de croisière pour une croisière 5 étoiles. Parce que oui, j'ai envie de prendre la croisière. Oh oh. Ouhouhouhou, pimpon, pimpon. Il y a la police qui passe. Hein. Quelle île ? Un avion ! Il y a urgence ! Regarde par-delà l'océan ! Ouais, il y a quelqu'un qui fait un feu de signal. Il y a une autre explosion à la centrale nucléaire. Oh non, mais arrêtez avec vos centrales nucléaires qui pètent, là, tout va. Après 10 ans encore, je n'y crois pas. Je dois aller sur l'île immédiatement, Power Ranger de l'espace. Les gens sont en danger, cette fois, je vais faire la différence pour toi, Lucille, et pour tous les autres. Anarion, tu attends d'aller, c'est étonné dans un, des vagues radioactives arriveront bientôt. Tiens, je veux que tu prennes ça. Vous avez gagné une croisière gratuite. 5 étoiles, je précise. À l'ouest, il y a un ferry. Il t'emmènera de l'autre côté du lac en sécurité. Je ne connais pas trop en dressage Pokémon, mais je pense qu'il y a une arène là-bas. Aussi, je ne peux pas t'en dire plus. Il faut que j'y aille. Fais attention à toi. Oula, oula, oula. Bon, ben... Voilà. Musique dramatique. Kyogre a envoyé sa pluie. Bah, il pleut, voilà, c'est... Vous savez comment on tourne d'Atalanopolis dans les versions Ruby et... Non, Saphir et Alpha Saphir. Donc voilà, on va dire qu'il pleut, que Kyogre est en colère, il a invoqué le crash, hein. Ah, c'est quoi ce problème avec ce Pokémon? Mon capstick n'a aucun effet. Graniena, au secours. Non, Mediena. Oh là là, un Mediena radioactif sauvage apparaît. Go Tinkarassé, bah oui, parce que comme c'est irradié. Casse-brique, poum poum. C'est extrêmement efficace. Au revoir. Ah, merci, je sais pas ce qui cloche avec ce truc, il avait une couleur bizarre, j'ai pensé à un Pokémon chromatique, mais il ne réagissait pas normalement. Ah oui, pour info, ils peuvent être chromatiques, shiny, les radioactifs, mais on peut pas le voir. Voilà. On ne le saura pas. Et mon castique ne l'a pas calmé du tout. Il essaie vraiment de m'attaquer. Je n'ai jamais eu à faire ce genre de Pokémon obscur, maléfique. Je t'endroie une gamin, mais tu devrais faire attention. Je pense qu'il pourrait y en avoir d'autres dans les parages. Oui, bon. Merci. Donc là, il n'y a rien. Pourquoi tu m'as fait ça? Ok, bon. Ils mettent une musique dramatique, mais tout va bien, hein. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de retombées radioactives, il y a des Pokémon normaux sur la plage. Mais ils mettent quand même la musique dramatique. Bon, vous avez rien à faire là, là, il y a des radios, il y a une explosion de centrale nucléaire à côté, vous devrez vous cacher les Pokémon sauvages, là. Non, c'est... Vous devrez fuir, non, il y a alerte, là. Oula. Corrayon maléfique. Deux corrayons, sauvage apparaît. Bon, ça va, j'estime maman en deuxième. C'est quoi du coup? Bah, retour, hein. Kuju. Ah, mais ça touche tout le monde. Bon, bah, t'as gagné une super potion, petit carassé, hein. C'est quoi ce Power Ranger qui vient de nous... Eh, on n'est pas habitué au combat 2.2, donc j'oublie que certaines attaques... Oh, loué soit Autus, je connais pas qui c'est. Si, j'ai spolié, en fait, c'est l'un des deux dieux dans Tandor. Qui s'est réincarné en un Pokémon légendaire que vous découvrirez dans l'épisode 20, logiquement. Parce qu'il y a une église où ils vont expliquer tout ça dans l'épisode 20.
Tu vas bien? J'ai vu ces Pokémon te sauter dessus. Je n'ai jamais vu de Pokémon sauvage attirer si. C'est comme s'ils attaquaient les humains délibérément. Reste avec moi, je te protégerai. Le Power Ranger s'est joué un fou. sac. Soin. Super potion. Team Caress. Non, non, c'est bon, c'est bon. Oulala là là. Triple point d'interrogation. Quoi? Wow. Le Léviathan rouge. Non, vert fluo celui-là. Sainte mère de Mew. Non, Darcus, pas Mew. Je me casse d'ici. Mew n'est pas un Pokémon divin. Léviathan sauvage radioactif apparaît. Miaou. Ça me plaît moins par contre. Bon, j'aurais pu tenter de switcher, mais bon, tant pis. One shot, c'est bon. Ouh, plus de musique dramatique, Kyurg, c'est calme et il pleut plus. Pfiou, désolé de m'être enfui, je n'ai jamais eu aussi peur, je veux dire, mais tu as vu la taille de cette chose, ses yeux blancs, sans vie, bref, rien que d'y penser, maintenant j'en frémis. En plus, j'ai vu comment tu déroules avec tes Pokémon quand tu étais sur le pont. T'es clairement un dresseur très doué, oui, je suis badgé. Trois fois, je suis badgé. C'était une intuition, mais je parie que les radiations émanant de la centrale sont ce qui a fait devenir fou et attaquer ces Pokémon. De toute manière, on dirait que cette zone est sécurisée pour le moment. Le bateau que Kelly veut que tu prennes est juste là. Fais attention à toi, Narion. Bon, au revoir, le Power Ranger Trouillard. Bon, je veux prendre ma croisière, donc est-ce que les escargots et les crabes peuvent me laisser la rentrée, merci. Je veux prendre ma croisière de luxe. Pourquoi cette plage n'est pas sécurisée? En nom d'Arceus, allez. Ferry pour Vinoville, oui voilà. Donnez votre ticket en marin à mes côtés, il vous dira tout ce qu'il faut savoir. Oh, bienvenue à la croisière de luxe de Tandor, 5 étoiles la croisière. C'est le ticket de croisière, bienvenue à bord. Pour info, c'est un aller simple. Hein. Voilà, bienvenue sur la croisière luxueuse de Tandor, on est assis sur luxueux. Hein. Je sais que vous vous inquiétez sûrement de cet incident à la centrale, mais vous pouvez vous relaxer ici. Vous désirez sans doute vous installer dans votre cabine personnelle ou bien explorer le bateau. Beaucoup de passagers sont des dresseurs Pokémon comme vous. Je suis sûr qu'un match les intéressera. Avec la musique de surf. Le ferry a quitté le port. Bienvenue sur la croisière luxueuse. Ah, la dernière sur la droite, merci. Est-ce qu'on a accès à un PC, juste par curiosité? Ah, si, on a accès à un PC. Bon, ben, il y a internet sur le bateau. Ben, on va retirer un 4ème Pokémon, du coup. Hein. Je prends le kiff. J'en ai fou, hein. Ah, bah, ben, du coup, il va falloir que je mette le layout à jour, bien sûr. Hein. Ouais, là. Rentre. Fénardan, layout, bien sûr, il est mal placé. Non, pas Fénardan. Fénoyant. Voilà. D'ailleurs, il faut que je supprime. Voilà, viens à ta place. C'est fait. Oui, merci. Quittez. Ouais, du coup, il faut que je mette mon layout à jour puisque je prends un Pokémon. Et ben, on va rendre visite au capitaine en premier. Oui, parce que j'ai envie. Non, pas d'interaction. Bien le bonjour, petit dresseur, tout petit. Je suis le capitaine sur ce navire. Mais j'ai le mal de mer. C'est pas rassurant quand un capitaine d'un bateau a le mal de mer. Mais qu'est-ce que tu fous sur un bateau? Surtout à la tête d'un bateau. Et on n'est même pas en train de naviguer sur l'océan. Ah si, il est en train de naviguer là. Hein. Que faire? J'entends dire que Scret et le dos fait donc plaisir à vivre, veux-tu? Allez, oui. Crat, crat. Ah, ça va beaucoup mieux. Hein, tu voulais quelque chose, je n'ai rien pour toi. Du vent. C'est un Easter Egg par rapport à l'océan dans les versions bleues et rouges. Gollum! T'es où? Je t'ai trouvé, mon précieux! Je veux dire, avec toutes mes cires, des souris là, la prochaine arène est par là, n'est-ce pas? J'ai battu Kali! C'était dur, mais Pokémon ont fait de leur mieux! Trois petits points. Oh! Gollum ne veut pas se battre? Lol. Ouais, ok. Bon, bah, on va. Non! Non, ben... Bonjour, Gollum. Ah, mon précieux, cet idiot, mais j'ai
Attends, non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai rien à faire. Je serai le plus grand dresseur de tous les temps. Comme Régis, c'est lui le meilleur dresseur de tous les temps. Et son fan club qui traite Sacha de minable. Tout de même, papa, papa est fort. C'est le Pokémon sans peur. Ton papa est Ranger, c'est ça. Il aidera tout le monde. Il a un purée, je veux dire. Tu veux te battre? Ah, pour la première fois, Gollum nous laisse le choix. Allez, oui, j'aime bien taper du Gollum. Je m'en fiche de ce qui s'est passé à la centrale, tout ce qui m'importe c'est de te battre maintenant. Je veux récupérer mon précieux. Allez, Gollum, viens là. Viens prendre ta pâte, Gollum. Allez, retour. Prends les bisous. One shot. One shoot par les bisous de Tinker AC. C'est la calendrier. Alors, là on va switch. J'ai envie de switch. Il y a un seul Pokémon qui le gère de manière safe. C'est Wigilute. Il a mis de la pluie. Là il faut vraiment que je gagne du temps. Alors on va l'endormir. Non, renflement, mettez des bruits de renflement plutôt que ce poum, s'il vous plaît. Allez, giga sensé. C'est extrêmement efficace. Fluvetin, c'est un type fait ça. Il est pas type plante, non, il est juste type fait. Maintenant, on va switch. Type fait ça craint quoi? Poison. En plus c'est arrêté. Détritus. Ça sent mauvais pour quelqu'un qui fait du parfum. Canilune. Combat, sol, j'ai un double avantage donc je peux l'attaquer. Allez, au croupi. Super efficace. Ouh, il a fait évoluer son Pokémon. Bon, là j'ai un double désavantage par le type donc j'aurais presque envie de mettre Nera, mais je vais mettre son Nemesis. C'est trop marrant. Mur de fer. Maintenant j'attaque sur le spécial. Tu vas moins aimer. Roider attaque lance-flamme. Extrêmement efficace. Au revoir, dégâts fois 6. C'est pas juste, mon précieux. Et comme tu as eu pris la pièce rune, t'es obligé de payer deux fois l'autre du fric. Sniff, sniff, je pensais juste qu'à pas être en danger. Je vais même pas gagner un condom, même si j'ai fait de mon mieux. Gollum est tout rouge. Laisse-moi tranquille! Baf! Gollum vous fout une gifle. Ding dong! La croisière luxe de Tendor arrive à destination sur la route 08, les champs de blé. N'hésitez pas à prendre votre temps pour descendre, merci, revenez bientôt. Quoi déjà? J'ai fait qu'un combat? Ah ben dis donc. Allez. On va exploser tout le monde. Bonjour mamie! Non, ok. Bonjour mon chou, j'ai été dressé aussi, ah c'est le bon vieux temps, mais maintenant je suis vieille et tout rabougrie, je n'ai aucune idée pour citer. Oui allez, donne. Reflet. C'est l'idée. D'où l'intérêt de parler à tout le monde. Donc dans ce bateau, il n'y a que 4 cabines. Non, 5 cabines, dont la mienne. Bon. Bon, il n'y a pas beaucoup de combats, on va les faire quand même. Toi. Hé hé, où vas-tu? Allez, on se fait le bateau et après l'épisode sera terminé. Fan de public, Nick envoie passerelle. Ouais, ouais. Roanard attaque lance-flamme. ça brûle. Coup critique. Ah, il a décidé de cracher fort. Niveau 42. Mais c'est mon Pokémon, ça. Bon, allez, on switch. J'ai presque envie de dire juste pour le fun. Allez. J'ai envie.
cri de vautour américain. Oh, elle fait mal. 85, elle fait quand même 44 dégâts quand même. Je vais pas faire atterrissage. Si, allez. Comme il a fait un coup critique. Voilà. Comme ça, je suis sûr de tenir un deuxième. Attaque. Lander à mon tour. Vu que je suis niveau beaucoup plus élevé. Allez, encore un atterrissage. Je suis très prudent. Ah, toi aussi t'atterris. Attaque Lander. Au revoir. Ah, on a perdu 2 points. Fermez la non, ouvrez la parenthèse. Depuis quand on met des smileys dans un jeu Pokémon? Je suis ici avec Evan, mais il est un peu envahissant, on refuse d'apprécier le voyage. Il y a... Attends, il y a moyen d'éviter son point d'exclamation? Je te mets un point d'exclamation. Jamais tu dis que les Pokémon est plus fort, tes Pokémon n'ont aucune chance face au mien. Musique rock. Karateka, ils vont se battre. Karateka, au revoir. Oh, un loup-garou. Brismoul. Je switch. Pokémon. Alors, j'hésite entre 2 Pokémon qui ont tous les 2 l'avantage, bien sûr. Allez, Mira. Gonfle. Où il se gonfle. Bon, je vais quand même le one shoot. Avec Thunder. Au revoir. Surtout que ça attaque sur le spécial. Oh, méchant mouton noir. Puissance cachée féerique. C'est féerique, c'est extrêmement efficace. Au revoir, one shoot. Au revoir. Oui, t'as besoin d'une serviette. Allez, dernière cabine. Oula, oula, oula. C'est qui elle? Point d'exclamation dans ta tronche. Ah, il m'a foutu son point d'exclamation. Oui, mon montagnard, allez, bats-toi. Topperseur, type sol ténèbre. J'hésite presque à switch. Attends, moi que j'ai casse-brique. Non, j'ai pas casse-brique. Allez, switch. Prends pas de risque. Sol ténèbre. Ben oui, j'ai le côté. Hein. Bon, d'un côté, j'ai 11 niveaux d'avance. Hein. Je fais quoi, allez? Plécroix. Bzz, bzz. Au revoir. Métallif à World, là, je suis là. Mira. Je laisse pas l'effet contre du type acier. Aïe. Ça fait beaucoup plus mal le bot. On va vite s'en débarrasser. Ebuli Love. Ok, la fermeté pour bien me troller. Mais il est brûlé donc. Au revoir. Là là là. C'est extrêmement efficace. Mais il est brûlé, donc il est débuffé. Ça rappelle un écremeux de Blanche à Johto. Attaquez Bully Love. Envoie des plumes enflammées. Bah, arrêtez de me troller avec votre fermeté là. Ils sont tous brûlés. Ouais. 24 dégâts avec le débuff de brûlure. Et donc en cas de coup critique et sans debuff, j'aurais presque pu être tué. Hein. Ma fille a acheté ce ticket de croisière pour calmer son esprit d'initié, ça n'a pas marché, je pense toujours en futur. Va dans la route 16, tu seras plus heureux. Alors vu que Nera a eu des petits bobos... oui, une sieste, ok. Voilà, parce que des attaques de type roche, c'est quand même son Némésis, avec le type nucléaire bien sûr. Bah on continue. Je descends de ce bateau une fois qu'il sera marié. Il pourrait y avoir des gens qui sont blessés à cause de l'incident à cette race. Seulement je peux être aussi rapide que c'est très rapide.
Merci pour l'objet. Oui, je mets toujours la musique objet Zelda, c'est marrant. Non, bah non, on est en train de faire une explosion nucléaire pour info. Hein. J'essaie de me détendre avec cette croisière, mais j'aurais pas pensé à cette centrale nucléaire. Peut-être qu'un combat premier. Oui, ils m'ont bien oublié. C'est Fukushima. Oula, Arbok. Oh, intimidation, ça m'énerve ça. Bon, allez. Un bon ampleur, s'il te plaît. Ok, il a raté son attaque. Alors, ampleur 4, les dégâts sont tellement négligeables que autant appeler un chat, mais là, c'est comme si l'attaque avait raté. Putain, mais arrête de faire des petits ampleurs! Du coup, il est tank encore. Vas-y, monsieur. Voilà, t'es brûlé, ça t'apprendra. Au revoir. Ah, voilà, t'as pas plus fort là. C'est un type poison ça. Bon, vous savez quoi, c'est des buffs d'attaque, ça m'énerve, donc je passe sur petit caressé. Allez, petit caressé à ton tour. Crochet venin. Anticipé, t'es onouïde. Et puisque j'ai envie, tu vas te prendre un coup de venin à ta tronche. Juste parce que j'ai envie de voir ces super efficaces écrits là-dessus. Raté. Alors maintenant, tu vas te prendre un retour. Ouais, c'est pas efficace, je m'en fous. Ah bah oui, le axe. Il m'a axé. Allez, prends des bisous. Au revoir, monsieur Alto. Oui, il a le cri de monsieur Alto. Au revoir, Fiat. Attends, mais mince. Ok, petit bug. Oui, j'ai oublié de lui demander sa phrase d'après défaite. Allez, une dernière sieste. On range notre fainoyant. Allez, dodo. Au revoir, fainoyant. Switch. Rangé, réserviste. Le layout. Un jour, bien entendu. Voilà. Comme ça, j'aurai une place pour le Pokémon que je capturerai dans la route qui va se dévoiler devant moi. Bonjour, je vais quitter la croisière de luxe de Tandor, oui. Donc le bateau, il a disparu définitivement. C'est un point de non-retour. On ne le reverra plus. Il y avait intérêt à faire tous les dresseurs. Oula, je méfie. Route 08, champ de blé, Vinoville. Je me fais du souci à propos de mes potes rangers à la centrale de Vagune, mais je me suis posté ici pour assurer que la centrale en or reste sécurisée. Vous avez encore des centrales nucléaires, mais arrêtez avec l'énergie nucléaire, c'est pas bien. Elle est sympa cette musique. Donc on va sauvegarder là. Voilà, l'épisode est déjà terminé. Un épisode par route, c'est très bien. Ou par arène. Donc on a un joli plan d'eau devant. Je sais pas si j'irai pêcher pour ma capture de la zone ou chercher un Pokémon dans les autres herbes. En tout cas, on se retrouvera ici pour le prochain épisode. Donc merci d'avoir regardé. Et continuez d'être fidèles à cette aventure.